Non, finalement, j'en mets un autre. Voilà qui est mieux. Ok, faut que je me groupe pour le rendez-vous au parc. Ah, vite, 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 je vais être en retard. Je suis en retard, il est déjà parti. Ou alors, lui en avance et il est pas arrivé. Attends, on part pas, Aline. Un croquet, c'est quoi? J'espère que c'est toi, hein. Toi, Henri, t'as décidé de changer ton look. Je crois que tu as un problème avec tes parents. Je crois que ta mère est partie parce qu'elle a su que tu étais démon. Et que c'est d'ailleurs qu'elle a su que tu étais démon quand tu lui as montré pour intégrer cette école de magie. Donc, je veux bien que tu loges chez moi parce que mes parents, moi aussi, sont partis. Ok, merci frérot. Tu m'accompagneras à la sortie de l'école pour me montrer où c'est chez toi. Tu me montres où c'est. Je pars. Je récupère toutes mes affaires et je reviens. Non, plutôt, je prends mes affaires, tu me montres où c'est et j'arrive. Ouais, c'est mieux comme ça. T'en veux une? Ouais, j'en veux bien une. Mais parle pas la bouche pleine, Sissi. Merci, Sissi. Rien, gros bro. J'ai dit quoi sur le fait de ne pas parler la bouche pleine? Enfin bref. Donc on devrait se dépêcher parce que sinon on va croire car en cours. Oh que oui, ne me rappelle pas de ne pas parler la bouche pleine parce que je te rappelle que si tu me le dis, toi qui tu le feras? Alors que quoi s'il te plaît? Attends, je rêve où la personne qui est devant moi, c'est Marie-Rose de Cristal. Mais si j'ai bien regardé, elle a une mèche blanche comme Octavia et un cache-œil. Elle s'est fait mal. Hé, toi devant moi, peux te parler? Oui, Lynn. Attends, d'où Marie-Rose de Cristal connaît mon prénom? Arrêtez de parler, Octavia, Lynn. Bien sûr, madame la remplaçante. Attends, c'est Octavia? Non, je dois me tromper, c'est pas possible. Je ne suis pas votre professeure remplaçante, je suis votre nouvelle professeure parce que votre ancienne professeure a été virée parce que je ne connais pas la raison. Donc voilà, donc elle m'a dit avant de partir tout ce que vous aviez à faire. Donc, je sais le nom de tout le monde. Alors, Octavia est ange,
Ansuke et Lin sont des démons et Dora est une déesse des animaux. Voilà, moi, je me transforme aussi. Je vous montrerai ça après. On y va! À l'endroit en question! Je vais vous montrer quelle est ma transformation. À suivre. Désolé, c'est court, mais suspense!